Ouais, question de Imed Salem. Salam, salut Riyad, à votre avis, qui est le meilleur joueur de tous les temps? Je sais pas. Il y avait beaucoup de joueurs avant, on les connaît, bon, on les connaît, mais on ne les a pas beaucoup vus jouer. Belloumi, Majer, Daleb, L'Almas, Fergani, tout ça, là, on ne les a pas bien vus jouer, mais je pense qu'ils font partie des meilleurs joueurs algériens. Après. Question de Azdine Redaoui. Que manque-t-il à la sélection algérienne pour garder la prochaine CAN? On est encore loin de ça. La CAN, c'est en juin. Déjà, il faut jouer là, le match, il faut se qualifier. Après, que manque-t-il, je ne sais pas. Une compétition, ça, c'est différent. On verra, Inch'Allah. Quel poste, question de Aymen Matoug. Quel poste aimez-vous jouer? Sur les ailes ou dans l'axe? Je préfère sur les côtés, je pense. Qu'est-ce qui a changé en sélection depuis l'arrivée de Belmadi? Qu'a-t-il de particulier Guardiola par rapport aux autres entraîneurs? Depuis que Djamel Belmadi est arrivé, c'est différent. Voilà, c'est quelqu'un qu'on est un peu. Il a joué en équipe nationale, il est jeune comme entraîneur. Voilà, il nous apporte son savoir, son expérience. Et voilà, c'est différent, on aime bien, on est content, Inch'Allah, on fera des grandes choses. Qu'a-t-il de particulier Guardiola par rapport aux autres entraîneurs? Guardiola, c'est un très très grand entraîneur. Tu vois, je ne sais pas par rapport aux autres entraîneurs, mais en tout cas. C'est quelqu'un qui veut gagner et qui a gagné dans sa carrière, donc c'est pour ça qu'il est un grand entraîneur. Quel est ton idole dans le monde du football? Question de Nid Fatahi. J'ai pas d'idole. Après, le joueur que j'aime le plus voir jouer, c'est Messi. Mais sinon, j'ai pas d'idole. Question. Question de je sais pas c'est qui ça? Safi, Dourni Safi. Dourni Safi. Est-ce qu'un jour tu t'es vu jouer dans une grande équipe de PL? Quand je suis arrivé en Angleterre, pas au début, parce que je me suis dit que l'Angleterre c'est pas facile et tout ça. Après, dès que j'ai commencé à jouer, oui. Quand j'ai commencé à faire des bonnes performances et tout ça, je me suis dit que j'avais une chance d'aller dans des grands clubs, ouais. Tes ambitions en club et en sélection. En club, c'est de gagner le plus de choses possible, Inch'Allah. Et en sélection, pareil. Parce qu'à l'arrivée, c'est les titres qu'on retient. Et voilà, ce serait bien en club et ce serait magnifique en sélection. Aimes-tu marquer des buts ou faire des passes décisives? Les deux. Après, je préfère plus marquer, mais bon, passes décisives aussi, c'est très bien. Mino Godban, le plus beau but que tu as inscrit. Je sais pas. Hein? Il va venir. Ah, je sais pas, j'en ai mis quelques beaux, mais bon. Peut-être qu'il y en a, il y en aura d'autres qui vont arriver. Projettes-tu de gagner un jour le ballon d'or? Tout est possible dans le football. Inch'Allah, on travaille. Je suis dans un grand club, j'essaie de faire des bonnes performances. On est encore loin, mais bon, on n'est pas si loin que ça aussi, non plus. Que représente pour toi le supporter algérien? Le supporter algérien, il est fier. Il est fier. Il est très fier. Il peut être à la fois super. Derrière son équipe, vraiment derrière toi et tout ça, et vraiment exigeant à la fois. Tu vois, c'est ça un peu le supporter algérien. Mais bon, on est des Algériens aussi, donc peut-être qu'on est un peu pareil. Parles-tu l'arabe? Oui, je parle l'arabe. Je parle l'algérien, je parle pas l'arabe littéraire. Sais-tu qu'il y a une bataille entre toi et Mohamed Salah sur les réseaux sociaux entre les supporters égyptiens et algériens? Non, je ne savais pas.
Non, ça sert à rien, tu sais. C'est un très bon joueur et voilà, il n'y a pas besoin de faire des batailles. Mais bon, je sais comment c'est de toute façon les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Mesures-tu l'amour que te porte le peuple algérien? Je sais qu'ils m'aiment beaucoup, je les aime beaucoup aussi, le peuple algérien. Après, mesurer l'amour, non, je ne mesure pas. Peut-être je ne mesure pas assez, comme je ne vis pas ici. Les critiques de certains consultants à la télé te dérangent-ils? Consultants en Algérie ou? Algérie. Je regarde pas du tout les consultants en Algérie. Je connais pas, je sais pas c'est qui parle. Je suis pas trop. Après, vous savez, il y a beaucoup de gens qui critiquent, ça fait partie du football. Hein. Et s'ils sont dans les plateaux télé, c'est pour critiquer. Mais je connais pas, je vois pas de. Je vois aucun. Je suis pas du tout. Que représente pour toi Benisnous? Benisnous, c'est ma ville, hein. C'est là où mon père est né, c'est là où toute ma famille est née, c'est là où mon père, l'Allahmo, a grandi, c'est là où j'ai grandi en allant en vacances tous les ans. C'est ma ville, c'est ma ville. Et je repasse le salem. Comment t'as reçu la mauvaise nouvelle du décès du président de Leicester? Question de Abidine Dehini. J'étais très très triste, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'était pas facile, surtout les circonstances, tu vois, de la mort, c'était pas. C'était une mort. C'est tragique, tu vois, c'est pas facile. Et je suis encore triste parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps avec lui et c'est pas facile. Question de Lilia Ziani. Le peuple algérien voit en toi l'image de ton père, Allah yarhamo, qui t'a inculqué une bonne éducation et surtout l'amour du pays. Quelles sont ses autres influences? Mes autres influences? Je sais pas. Attends. Ouais, il m'a inculqué une bonne éducation. C'est vrai qu'il nous ramenait beaucoup au bled et il nous a inculqué l'amour du pays aussi. Les influences, il nous a rentré dans. Il a essayé de beaucoup nous apprendre par rapport à la religion aussi. C'est lui qui me ramenait à la mosquée, c'est lui qui m'a appris les premières sourates. Tout ça, c'est lui. Pas quand tu es en difficulté, tu t'es pas. Peut-être mon père, il aurait pu faire ça. Oui, c'est sûr qu'il y a dans certaines, comment dire, dans certaines situations, s'il y avait mon père, peut-être que j'aurais vu les choses autrement, mais bon. Après, voilà, c'est la vie. Et Inch'Allah, La maman. la maman, ouais, donc, Comment elle comment vit elle ta vit mes tâche? matchs? Ma mère, elle les voit normal. Elle essaye pas, elle regarde, mais elle veut pas. Elle reste pas devant la télé comme ça. Elle va Est-ce dans la qu'elle aime le foot? cuisine. Est-ce qu'elle aime le foot? Ouais, elle aime bien le foot. Elle aime bien le Elle aime le foot. foot parce qu'il y a rien ou. Ouais, c'est par rapport à moi. Avant, elle aimait pas le foot. Avant, elle était. Bon, par rapport à mon père, là, moi aussi, il regardait les matchs, tout ça, mais c'était pas trop sa tasse de thé. Mais bon, depuis que je joue au foot, oui, il regarde tous les matchs. Après, comme j'ai dit, elle reste pas devant le match comme ça. Elle va dans la cuisine. Elle revient, elle fait des allers-retours, tu vois. Après, elle est contente quand je marque. Elle m'envoie une petite note vocale ou un Quand tu appel. reçois des coups, blessures, Ouais. Mais ça, je sais pas, je suis pas avec eux, parce que elle c'est t'appelle, moi, je jouais, elle me dit, le match, ouais, ça elle va, tout ça. s'inquiète. Ouais. Ouais, c'est normal, c'est normal. C'est la maman. Merci à tous les supporters algériens sur les réseaux, en dehors, qui me suivent, c'est très gentil. J'essaie de regarder à chaque fois vos questions. J'essaierai de faire ça plus souvent. Merci à tous et on est ensemble. Salam. Thank you.